Aujourd'hui, je vous présente le livre de Jean-Louis Etienne, Persévérer. Alors, j'ai aimé ce livre, parce que d'abord, la personnalité de Jean-Louis Etienne, qui est un médecin explorateur, est très attachante. C'est une personnalité, comme le titre de son ouvrage le dit, de persévérance, de foi en lui-même. Et il s'est tiré parti de ses expériences pour apprendre. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez Jean-Louis Etienne. Alors il dit, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On ne repousse pas ses limites, on les découvre. Parce qu'en fait, on ne les connaît pas, nos limites. On croit les connaître, mais elles sont bien supérieures à ce qu'elles existent réellement. Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord. C'était en 1986, en solitaire. Imaginez atteindre le pôle Nord en solitaire. Il cite Pindare, « N'aspire pas à l'existence éternelle, mais épuise le champ du possible. » Le champ du possible, par définition, nous ne le connaissons pas. C'est tous les possibles. Et c'est bien à travers ces explorations qu'il les découvre. Et je le remercie à travers cet ouvrage d'en parler. Il a utilisé ce titre parce que ça résume bien sa philosophie. Sa philosophie est de persévérer et vous obtiendrez tout. Persévérer et vous obtiendrez tout. C'est très important. Il est parti pour provoquer l'inattendu. C'est toujours ces champs du possible, ils sont inattendus ces champs du possible, ils existaient, vous ne les saviez pas. Et j'aime beaucoup une de ces phrases que vous lirez, il y en a beaucoup d'autres, j'en ai tiré que quelques-unes. Il dit que l'adversité nous rend plus fort. L'adversité nous rend plus fort, ça me rappelle Friedrich Nietzsche. Et c'est quelque part une dimension nouvelle. C'est vrai que c'est à travers l'adversité qu'on se construit, qu'on dépasse nos limites, ce qu'on appelle la zone de confort, et qu'on va atteindre un nouveau niveau. Voilà, et ce livre vous donne les clés pour aller plus haut. Merci.